Yo Playpot, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la vidéo du lundi. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, un transport de l'extrême sur la map The Alp. Donc en compagnie de Pat. Bonjour. Voilà, voilà. Donc petit transport sur la map The Alp, transport extrême puisque vous allez voir où on va passer avec les camions, etc. pour aller à la forêt. Alors bon, le but de la vidéo, c'est déjà d'aller jusque là-bas, ce sera déjà pas mal. Alors on a pris donc du matériel camion plus plateau. Voilà, des plateaux, il y en a autoload, etc. Il y a du bois qui nous attend là-bas, déjà coupé. Et avec vous, je couperai un ou deux bois et on va les remonter en fait parce que c'est un terrain en pente. Donc on va couper un arbre, je pense, dans le fond, tu vois, en descendant. Et on va remonter directement les troncs avec le treuil qui est là, que je me suis jamais servi et qu'on va pouvoir tester. Donc on va aller jusque là-bas en camion tout simplement. Donc je prends le Scania ici. Alors là on a un Scania R730 et Patoche lui, ah bah attends, descends une seconde, je vais montrer le tien. Lui c'est un Scania aussi 143 CX4. Alors il n'y a pas de vue intérieure celui-là, c'est pour ça que je lui ai laissé. On va prendre le petit Scania histoire de se mettre un petit peu en vue intérieure avec la petite canette de coca. Allez, c'est parti. Voilà, alors les gyros ils fonctionnent, c'est parfait. Tu passes devant, Pat? Je ne connais pas la route, donc je vais t'aider. Vas-y, parfait. Vous allez voir, alors cette map, je vous la mettrai en description. C'est une map sur laquelle on a déjà fait un ou deux roleplay pour vous présenter du matériel. Et la map est très très bien. Pour ceux qui veulent y jouer un petit peu, n'hésitez pas. Voilà, vous, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez faire de l'agriculture, vous pouvez faire du forestier. Elle est très 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 vallonnée. Enfin bref, les routes sont abusées, vous allez voir. Ce qu'il s'agit, je sais même plus de quoi il s'agit, j'arrive plus à parler. Du coup, donc le petit plateau, alors là-bas, c'est un plateau pas pour charger du matériel. On fait gaffe déjà. Même ici, la route, c'est la plus large et ça va déjà passer tout juste. Oulalalala. Je sais plus c'est quelle sortie. Aller à la ferme, c'est celle-ci. Non, pas pour aller à la ferme. Hein. On va pas à la ferme, on va aller dans la forêt. Mais tu vas voir les chemins qu'on va prendre. C'est celle pour aller dans la forêt que l'on était. Oui, c'est celle où. Ah bah on a passé la sortie. Non, c'est ici, t'inquiète. C'est ici. Ouais. Ah oui, le Xerion il bouge en fait. Putain la vache. J'essaie de tourner ici ou pas? Bon, attends, je vais essayer de tourner. Alors oui, si tu te rappelles pas, c'était le chemin où on avait déjà galéré à passer en Defender. Et là on va passer avec un truc qui. Non, c'est impossible oui. À passer. Mais ça risque d'être compliqué avec. Bah écoute, ouais, c'est le but de la vidéo. C'est le but de la vidéo, qu'on voit de l'extrême. Donc déjà quand on arrivera là-bas, je sais pas à combien de temps de vidéo on sera. Bon, je triche un peu, enfin je triche. Pas vraiment, je passe un peu dans l'herbe, mais bon là j'ai vraiment pas le choix. Donc on va tester là-bas. Donc là déjà ça monte et c'est après que ça devient un petit peu plus, on va dire, chaud. Compliqué. Parce que ouais, ça vraiment ça tourne dans tous les sens après. Mais vraiment ça tourne, je crois, 4-5 fois d'affilée. Déjà ici, oh mon dieu. Oh. Attends, mais là c'est n'importe quoi là. Ouais, fallait peut-être prendre un petit peu plus de large quand même. Parce que... Tu te donnes un coup de main, Patrick, ou pas? Oui, si tu veux. En fait, c'est le. Oh merde, c'est toi. Ok, c'est bon. Bon, on a. En fait, le problème c'est que dans les virages comme ça, vu que ça monte, des fois le camion. Et je sais pas si tu vas réussir à passer, toi, Pat. Le camion. Et moi, je suis passé, c'est bon. Ah, t'es passé. Bah, le camion, des fois il a plus d'adhérents. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça. Et... Là c'est moi, c'est ma faute, c'est l'arme. Ah désolé, j'ai reculé. Hein. Des fois en fait il a plus de... Putain. Attention. Mais c'est impossible gros. Prends plus large. Ah je suis bloqué, mais je peux pas prendre plus large, il y a un arbre juste en face. Comment tu veux que je prenne plus large? Non, t'aurais dû commencer par tourner peut-être les gens en plus à droite avant. Putain mais c'est impossible. Ah bah non mais après, ah oui d'accord comme ça. Ouais mais après c'est impossible gros. Je sais pas, hein, je me prends l'arbre. Oh là là les gars, mais je vous jure, essayez de vous... Attends, mais je bug dans rien, il y a une collision invisible sur l'arbre. Putain, c'est trop chaud. Oh non, je veux pas passer. Oh non, mais là, le virage là, il est impossible. Hein. Désolé, attends, je te pousse. Non, mais je suis bloqué dans la barrière, tu pourras pas. Si, je te pousse en diagonale, du coup, ça passera. Essaye. Ouais, en fait, je monte sur... Je pense qu'il va falloir que tu te sers du mode magique. Bon, on est enfin sorti de la galère, on va dire. Donc regardez en fait, ouais toi tu... Ah non, même toi tu... Même toi t'as pris trop court. Mais en vrai toi t'es moins large, du coup c'est plus simple. Mais en fait, le problème... Enfin ce qu'il y a ici, le problème c'est qu'il y a l'arbre là au milieu qui te fait chier en fait à chaque fois quand tu tournes. Et vu qu'il y a les barrières autour... Bon là je vous dis, hein, deuxième virage, deuxième fail. Je sais pas si on va arriver à faire un virage, un beau virage sans se prendre rien du tout.
On va peut-être y arriver, hein, qui sait. J'ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Oh putain, la galère. Oh non, mais il avance plus, frère. J'ai pas pris assez de chevaux, mon petit pad, c'est pas possible. Peut-être qu'il faut que j'enlève le Xarion. Allez, avance, monte. Non. Que dalle. On va enlever le Xarion pour voir. On va y aller sans le Xarion, on ramènera le Xarion peut-être après. Parce que là, c'est pas possible, hein. J'ai l'impression que il n'y a pas de chevaux dans les camions là que j'ai pris. Hop. Le mien il avance assez bien. Ouais bah là peut-être qu'il va avancer. Non même pas. Ouais pousse un coup. Ah non c'est bon, il est parti. Bon on va laisser le Xarion là, on va essayer de venir sans, on le reprendra après. Parce que là c'est impossible. Ça me rappelle la vidéo qu'on a fait sur jouer le plus réaliste possible avec Fab et Will. On transportait. Ah ça fait du bien avoir un peu de ligne droite. Enfin ligne droite entre guillemets hein. Quand tu vois la largeur de la route. Allez monte, oh, fais gaffe ça monte pas, hein. Mets plein gaz hein. Ah ouais bah toi t'as aucun problème. Mais il est beaucoup plus puissant ton camion que le mien. Le mien il avance bien. Ouais bah pas le mien hein. Pourtant j'ai l'impression, je sais pas combien il fait de chevaux, j'ai pas check. Bah attendez je vais aller check un coup, dans le garage. On est sur du quoi? Je le vois même plus, ah si. R730, le mien fait 430 et le tien fait 500. Ouais ok, 70 chevaux en plus mais il avance beaucoup plus vite. Bon là ça va, ça monte. Bon t'as été tout droit? Oui je suis allé tout droit. Là c'est maintenant. Par contre, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant c'est là qu'on va rigoler. Là là c'était le warm-up tu vois, c'était l'amusement là. Là maintenant on va un peu plus rigoler mon petit pote. Bon déjà ici frère il y a des armes partout. Dans tous les virages. Bon le premier virage a été passé. Y'a moyen que je le passe moi avec la longueur que j'ai ou pas? Oui moi je l'ai pris large. Oh je pense que pour toi c'est bon. Oh là là. Alors là c'est là qu'on rigole. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh. Oh putain, en plus il faut faire gaffe parce qu'en fait, en plus de tourner, ça descend comme je sais pas quoi. Donc si t'as envie de te taper dans. Oh mon dieu. Est-ce que ça passe? Allez, dis-moi, tu peux réussir un virage? Ça frotte un peu, je crois. Non, c'est bon. Oh, j'ai réussi un virage, Pat. Let's go. Bravo. Enfin. Ouais, avec le... ouais si on était venu ici avec le Xarion, c'était au revoir, on passait pas. Ok, deuxième virage de réussi. Oh putain il est là lui. Ah oui non mais c'est de pire en pire là. Il faut braquer à fond ici. Ouais je pense que tu devrais y aller en deux fois. Allez là on va essayer de le faire en une fois déjà. Ah bah d'accord bah mon camion s'est dit. Non je pète un câble. Oh je suis coincé. Essaye de reculer un petit peu. Voilà ça frotte un peu derrière. Allez s'il te plaît. Allez avance là, là ça aurait été bon là. J'ai peur que le plateau frotte un peu l'arbre mais ça va le faire. Non c'est bon, ça va le faire. Oh non mais le dernier, t'as réussi à passer le dernier? Oui le dernier il est assez large. T'as beaucoup plus de place par contre ici, tu peux prendre plus large. Ah ouais bah putain. Ah oui d'accord ouais. Ce qui va être aussi marrant c'est qu'on va revenir. Alors on va peut-être étaler ça sur une ou deux vidéos. Enfin plusieurs vidéos quoi. Parce que ça va être marrant quand on va revenir avec les trucs chargés hein. Donc c'est juste pour le fun de faire le transport. De vous montrer un petit peu comment sont les routes avec du gros matériel, c'est à dire un long plateau, un gros camion avec des gros tracteurs etc. Hop. Mais en fait on est toujours pas arrivé. Il y a encore beaucoup de virages. Non ça va. Non là c'est bon. On y arrive un petit peu. Oh mais moi je passe pas là hein. Si c'est bon. Ça glisse un peu mais c'est bon. Ok. On y arrive. C'est bon? Ah yes, on y est. Impeccable. On va se garer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher le Xarion en vitesse. Donc le but ici va être de tout simplement descendre un petit peu. Donc on va descendre et on va ramener en fait les bois carrément à au treuil. Donc ça va être assez drôle. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok les amis, j'essaye un petit peu de passer. Bon, Patoche est parti chercher un tracteur avec une longue remorque à bois. Et là, j'essaye un petit peu de passer en tout terrain avec le Xarion. Regardez un petit peu. Bon, des fois, ça va frotter, mais... On va faire un petit peu comme les Defenders en fait. Là on passe vraiment de manière où on suit pas la route. Bon ça je peux le faire avec un tracteur parce que mon ensemble est pas long on va dire. Mais si je fais ça avec un camion c'est au revoir quoi. Je passe pas, ça c'est sûr et certain. En tout cas ça frotte. Hop. Voilà. Donc là ça aura une petite, enfin une petite. Si je vous fais un petit plan de vidéo elle est quand même pas mal en vrai. Freine. Voilà. Donc on va faire un petit plan de vidéo, voilà à quoi ressemble un petit peu la forêt exploitable on va dire. Et regardez jusqu'où vous pouvez aller, vous pouvez vachement descendre loin. Mais vraiment très loin hein. Ouais, quand même pas mal quoi. Bah écoutez on va essayer de couper un arbre ici. Donc on va descendre jusque là-bas couper un arbre et voir comment le treuil fonctionne, je m'en suis jamais servi.
attendant que Pat arrive. Alors faut que je retrouve mon extérieur. Allez, il est là. Donc ouais, je pense qu'on va revenir plus tard avec les deux, enfin quand tout sera rempli, on reviendra pour vous faire une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, ce sera peut-être cette semaine, ce sera peut-être la semaine prochaine, enfin en tout cas, ce sera pas ni le mardi, ni le jeudi, ni le dimanche, ce sera les autres jours et avec les vidéos mode, tout simplement. Allez, on avance, on va essayer d'aller un peu plus loin, je vais juste avancer le temps, Pat, parce que là, j'ai l'impression que, on va dire, on est très tôt le matin, hein. D'habitude, c'est pas l'heure où on se réveille, quoi. Voilà, on va mettre l'heure auquel Patoche se réveille, d'accord? Voilà. Ah, je suis encore un peu trop tôt. ça va cette heure là, Pat? Bah, c'est encore un peu tôt quand même. Je suis désolé, j'ai fait mon max. Allez, on va descendre jusqu'au fond. T'arrives à venir avec les remorques ou elles sont trop longues? Oh, Fren, c'est compliqué, quoi. Mais ça va passer. Il a pas de fin, exemple. Bon, alors, pour ceux qui me critiquent, hop, déforestation totale. Donc vous allez voir comment moi je coupe du bois. Alors on achète quoi? On achète une jaune serrade, allez, parti. Hop, évidemment j'ai une sauvegarde, je suis désolé Pat, t'as du laguer. Voilà, vous n'avez pas que ça ce terrain, excellent. On va acheter la forêt, on va se mettre un peu d'argent. Hop, non, on va rester raisonnable. Hein. On va pas tout acheter la map non plus. Voilà, allez, on coupe notre petit arbre, on va le débrancher. Et on va essayer de le remonter avec le treuil. Ah bah évidemment je le mets dans le wrong way, je le mets pas dans le bon sens. Hop, on va essayer de bien le débrancher. Je suis con. Voilà. T'es loin encore? À peu près à la moitié, mais il a du mal à monter quand même. T'as pris lequel? Le Newland. Ouais, parce qu'il y a de nouveaux Newland qui sont sortis. Attends, je vais juste couper ça. Il y a des nouveaux Newland qui sont sortis. On a pris ceux-là, on a pris des Fend aussi, Fend 800 et l'Uxarion aussi. Bon alors, j'avais testé ça en live vite fait sur la partie d'un abonné qui l'utilisait et je sais pas du tout comment ça marche. Donc ah ouais, je crois qu'il faut se mettre à côté d'un arbre, je sais plus du tout. Attends. Ok, donc tu peux le monter à la souris. Shift B, je sais pas c'est quoi. Ah, attaché, voilà, c'est B. Voilà. Donc vous attachez avec B, en fait, vous voyez que ça met. C'est quand même bien fait parce que c'est pas juste une attache où il se passe rien en physique. Vous voyez quand même que ça attelle une chaîne autour de l'arbre avec un crochet en fait. Donc c'est quand même bien fait, j'essaierai de vous mettre le mode en description. Et pour ceux qui veulent tester, c'est quand même pas mal. Oh putain, c'est galère, on va essayer de le traîner comme ceci. Alors on a quand même un long tronc d'arbre. Hein. Ok. Va falloir le couper, je crois. En fait... C'est pas tant qu'il faut le couper, c'est que je l'ai fait tomber du mauvais côté en fait. Et ça, tu vois, c'est un peu chiant. Ok, on le prend comme ceci. Allez, on teste voir si ça marche. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc on va relever vite fait le treuil. Donc regarde un petit peu, c'est quand même assez stylé. Et on est parti, écoutez. On est parti tranquillou. Bon, avec l'Uxarion, il devrait pas trop avoir de problème. Hein. C'est si on met un plus petit matériel. Enfin, si on met un plus petit tracteur, il devrait avoir un peu plus de problèmes quoi. Allez, plein gaz, c'est parti. Bon, je ramène déjà du bois, Pat. Hein. Ouais. Je ramène déjà du bois, bon, alors oui, on a le... De quoi? Ouais, je suis bientôt là. Ok, parfait. On a déjà le mode... Enfin, j'ai déjà mis du bois avec le mode F11 hein, en haut. Comme ça, on pourra... Oula, calme-toi. Ah oui, non, mais là, la boss, il l'a pas aimé, le Xarion. Hop. C'est parfait. Je crois que j'ai relevé... Ouais. Je crois que j'ai relevé un peu trop. Non, c'est bon. Ouais. Eh, quand même long, hein, quand même long à remonter, hein, putain. Quand tu commences par le fond de la forêt, c'est quand même long à remonter, on va dire. Oh là là là. Allez, ah oui, non, il ne faut pas un tracteur plus petit, hein. Ah, sinon il monte pas. Hein. Sinon il ne monte pas. Comment ça se fait que j'ai plus mes bois? J'ai placé 10 boîtes. Tu peux essayer avec ce tracteur là si tu veux. Bah écoute, je vais tester avec celui-là, ouais. Je vais tester avec celui-là pour voir si celui-là monte quand même. Mais il va quand même galérer, hein. Ouais, je vais tester quand je vais remonter. Par contre, j'ai placé du bois tout à l'heure ici. En fait, je sais pas si il a dispawn ou quoi. Avec le mode défense, en fait, vous pouvez placer du bois. Donc, je vous ai déjà montré, hein, mais regardez, vous mettez du log 6 mètres et vous placez en fait du bois ici. Merde. Ouais. Bon, c'était pas la meilleure chose que j'ai faite. Il y a eu quelques petits bugs. Non, mais si je l'ai placé mauvaise. Oh putain, en plus c'est. Ah si. Bon, allez, on va stocker les rondins ici, je pense. Dans ce sens-là. Voilà. Bon, il va falloir un petit peu dégager la zone pour mettre les véhicules par la suite. Mais du coup, on va faire ça. Je crois que c'est B. Non, faut. Ah non, je crois que c'est à l'intérieur du véhicule cette fois-ci.
Détache all, c'est shift B. Voilà, donc tout est détaché, c'est bon. Vous avez même le petit bruitage quand même, c'est pour vous dire à quel point c'est bien fait quand même. Du bon, t'arrêtes de rouler, frérot. Vous avez même le bruitage carrément du rondin, enfin du treuil quand ça se détache. Donc voilà, j'ai placé un peu de bois ici. Vous voyez, donc on va mettre les rondins ici, le bois que j'ai déjà placé là qu'on va pouvoir charger. Et comme ça, on reviendra avec des remorques chargées de bois pour la suite. Alors le camion là, je vais le descendre un peu plus. Lui pour le moment, il nous sert trop à rien. Ok, on va laisser comme ça. On va tester avec le New Land maintenant les gars, voir si le New Land remonte quand même. Alors par contre, je vais juste pousser ça un peu parce que là, il a roulé un peu trop, il a trop pris la confiance. Il faudrait mettre des caches bois, enfin des trucs pour que le bois bouge pas en fait. Qui sont mis entre machin. Donc on va tester avec le New Land pour voir s'il monte la pente. Bon les amis, j'essaie de remonter avec le New Land. Deuxième rondin de bois. On a été chercher avec le treuil. C'est quand même un mode pour aller. C'est un mode franchement pratique. Ça vous donne une alternative à toujours faire couper, charger, etc. Bon, c'est certes, c'est beaucoup plus lent. Hein, c'est beaucoup plus lent de faire ça au treuil. Mais quand tu dois. C'est la map qui s'y prête parfaitement. Je n'ai pas trouvé une meilleure map qui s'y prête parfaitement avec ce treuil. C'est-à-dire que tu vas au fin fond de la forêt, tu descends au fin fond de la forêt. Tu prends ton arbre et tu le remontes avec un gros tracteur quoi, pour l'exploiter, on va dire, le tronc en haut. On va dire ça. Comme ça tu dois pas tout couper en balle et avec tes camions en balle, tu laisses tes camions sur la plateforme en haut et tu ramènes tout simplement tes rondins un par un. Et c'est la map qui s'y prête le mieux. Voilà. Bon ben ça va, New Land il galère pas trop. Bon en même temps c'est pas non plus un petit, mais je pense que voilà, un tracteur qui galérerait c'est si on prend un plus petit tracteur, on va dire. Par contre là je passe entre les deux arbres ou pas frère? Oui c'est chaud quand même. Non c'est pas. Attends c'est quoi, c'est shift B? Voilà c'est ça. Hop. Voilà, donc bah écoutez les amis, voilà un petit peu pour la première partie de la vidéo. Enfin pour la vidéo on va dire, le premier épisode. On fera un épisode 2 du coup où on ramènera tout ce qu'on aura chargé. On va déblayer un petit peu la forêt ici. On va charger sur les remorques et on essaiera cette fois-ci, bien évidemment, au lieu de descendre à vide, de remonter avec des grandes remorques chargées à bloc, que ce soit avec du tracteur et des camions. On va essayer de remonter tout ça. Je vous le dis, c'est pas gagné puisque déjà juste pour descendre. Après la descente, ça peut être vraiment marrant. Descendre, on l'a fait à vide, c'était déjà galère. Monter, bonne chance. Et si on monte, on redescendra. Oui, on peut tester de redescendre aussi. Mais déjà, vous avez vu à la descente comment c'était galère et on était à vide. Et là, on va monter avec des rondins derrière. Donc ça va pas être évident. Mais on va voir comment on va s'en sortir. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Si le concept vous plaît et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à activer la cloche, à aller suivre mon compte Instagram également qui se trouve en description. Et puis voilà les potes, merci d'avoir suivi, on se dit à la prochaine, bisous. Au revoir.